YouTube, les petits amis, donc nous voilà dans une nouvelle vidéo sur notre superbe Let's Play sur FF7. Putain le chat, bonjour. Donc la dernière fois on s'était arrêté, j'en sais rien. Voilà, on était dans un truc, là, un sous-marin à la con. Ouais, si je fais ça. Merde, c'était là où fallait aller. Mince, j'ai gouré, c'est pas grave. Donc oui, on essaie de récupérer le sous-marin pour pouvoir, il me semble, choper la matéria hein, qui s'était enfuie dans un autre sous-marin parce qu'on avait pris le temps de bien la regarder, aller à l'intérieur du sous-marin, voilà, juste taper, discuter avec Reno, tout bordel, tranquillement. J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme, j'ai un peu la dalle par contre, pète la forme, mais j'ai la dalle. Non, non, c'est terrible. Salut. Moi c'est Sid. Oui, je m'entraîne parce que enfin, je passe aussi là dans cet épisode, je pense. Je passe. Il nous reste peu de temps, je ne devais pas mourir. Mais si. Dans ta gueule, tu crèves. J'ai encore tant de choses à faire. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de faire ma danse victorieuse spéciale pendant la bataille. Ouais, ok, c'est bon. Très bien, alors faites ce combat ta première victoire. Allez, montre-leur. D'accord. Rappelle-toi ton entraînement, vas-y. Ça c'est ma danse de victoire ça. Je suis désolé, vous êtes des connards, vous l'avez piqué. Rien que pour ça je vais vous péter la gueule. Péter la gueule. La poêle. Excusez-moi. Je suis de retour et maintenant j'ai pas de regret. Ouais d'accord, fais l'attaque. Bon, est-ce qu'on les bute? Ou est-ce qu'on les fait prisonnier? On est gentil hein. La gentillesse ne perdra. Non plus c'est marrant parce que si on les fait prisonnier en fait ils resteront tout le long dans le sous-marin, ça sera nos... Ce sera nos mecs, ce sera nos hommes. On va faire ce qu'on va avec. Ok, calme-toi, Claude. Zen. Quelqu'un, s'il vous plaît. Désolé, mais je n'en peux plus. Le manque d'espace, les secousses, le grondement du moteur. Ouais, t'es plus trop, quoi. Qu'allons-nous faire? Nous avons volé un sous-marin, mais nous ne savons pas le piloter. Oui, c'est très con, en effet. Bon sang, j'ai envie de faire ça. Oui. Alors, ça, c'est un truc dans FF qui me fera toujours marrer, c'est que la meilleure façon de faire marcher des machines chez eux, c'est de taper dessus. Comme dans la vraie vie, hein, remarque, hein, j'avoue. Regarde, maintenant, prends le relais. Tu te calmes, Sid, tout de suite. Eh, hey, tu as raison, je me sens effectivement un peu mieux en conduisant. Mais oui, t'es pas en train de conduire, là. Ne te casse pas la tête, laisse-moi faire. D'accord. Bon, je sais rien dire. Alors, je sais plus ce qu'il faut faire. Parler au fauteuil, sûrement. C'est ça. Le problème étant que je me souviens plus trop des touches. Alors j'hésite. Est-ce que j'ai le manuel ou est-ce que je... Non, je vais lire le manuel parce que je me souviens plus. Manuel d'utilisation du sous-marin. Édition du débutant. Pour les nuls. Pilotin sous-marin pour les nuls. Emplacement des touches. Super. Alors, menu, donc c'est... d'accord. Je sais, mais est-ce que c'est changé? Je crois que c'est ça. Lancer une torpille, annuler, reculer, d'accord. Ok. Actuellement au fond de l'océan, près de Juno. Ordre de mission. Actuellement au fond de l'océan, près de Juno, un sous-marin Red Leader transportant de matériel est escorté par des unités de sous-marins de couverture. En outre, il a été confirmé que plusieurs mines ont été dispersées au fond de l'océan, juste pour le fun. Le fond de l'océan ne peut être surveillé qu'avec l'écran radar du sonar de Shinra. Les sous-marins ennemis ne peuvent être détectés que dans la zone du sonar. Place-toi en face du sous-marin, ennemi détecté, et accroche-toi avec verrouillage. Appuie sur la touche OK pour lancer la torpille. C'est vrai, c'était pas écrit OK tout à l'heure, c'était écrit carré, je crois. Enfin, changé quoi. Les mines se trouvent sur l'écran radar, au-dessus des indicateurs. Les mines provoquent de graves dégâts, alors sois prudent. Oui, d'accord. Objectif coule le sous-marin, transportant le gavata, ton limite 10 minutes. OK. D'accord. Bon. J'ai pas eu la fin parce que j'ai pas envie. Allez, c'est parti. Tout a l'air en ordre. D'accord, on pouvait quand même lire le manuel entre deux quoi. Bon, ça va nous faire chier. Cette touche. Ah oui, touche ma cloud. Écran principal allumé. Change de mode d'écran. Normalement, en fait, on peut le buter direct si on y va à donf. Comment on fait pour monter? Comment on fait pour monter? Au secours!
dégâts. Beaucoup, voilà, mission accomplie. Ouh! Bon, oui, je me suis pris un petit peu de dégâts dans la... Alors, excusez-moi, j'ai pas beaucoup parlé. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu du mal à. Ah, voilà quoi. Avec les touches. Simplement, je savais pas trop comment le manier ce truc. Mais bon. Sous-marin Shinra. Ouf, nous avons ici. Le Megamata doit être au fond de la mer à présent. Continuons la recherche. À toutes les unités de sous-marin Shinra, mais recevez-vous. À toutes les unités de sous-marin Shinra, mais recevez-vous. Pas du tout, arrête de te répéter. Ce doit être de Shinra. Pas du tout, je pensais que c'était McDo. Rapport numéro 2. Numéro 2, j'ai vu ça écrit sur le quai, ils doivent parler de ce sous-marin. D'accord, je vais le faire. Ici, Shinra numéro 2, tout est normal. On a juste buté notre propre sous-marin, tout va bien. Perçu. Votre prochaine mission est retourner au quai du nom. Nous transporterons les Megamata à partir de l'aéroport. Ceux qui n'ont pas de mission se présenteront pour monter la garde. C'est tout, terminé. Aéroport de Junon, nous devrions arriver en nous dépêchant. Oubliez Megamata pour l'instant, nous grimpons. L'aéroport ? Ah. L'aéroport, pas de problème. Alors, je sais pas s'ils vont vraiment remonter, ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Ah non, si, ils remontent direct. Ah ouais. Ah ouais, comme ça quoi. Ah ouais. Souvent, mode d'emploi, appuie sur la touche OK pour monter, appuie sur la touche annuler, ok, d'accord. Bon. Alors, vous aurez compris qu'en fait, on n'a pas encore récupéré la Megamata. Hein. Elle est dans le sous-marin rouge, donc il faut qu'on aille la chercher. Donc on a plusieurs choix, soit on va vraiment directement à l'aéroport, soit on va la chercher avant. Et honnêtement, je pense qu'on va la chercher avant. Mais avant ça, je vais sauvegarder. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que sous les océans, il y a des surprises. Sous l'océan. Sous l'océan. Alors, j'ai envie d'en créer une autre. J'en suis à combien là? 6, mais 6 c'est pas assez. Et tous les 7 portent bonheur, donc on va en créer 7. Voilà, simplement, tu te calmes, tu te calmes. Ok, alors. Ouais, d'accord. Bon, si on commence à se gourer sur les touches, on a pas fini. N'utile pas. Voilà, donc c'est bien ça pour. Voilà, vous voyez, en fait, il y a une petite surprise là-bas. Et juste ici. Voulez-vous vous en approcher un peu? Non. Donc, voilà. La fameuse surprise, je veux pas. En fait, si on la percute, on va se la taper. Et violemment. Autant vous le dire. Donc, je préfère pas. En fait, hein, je préfère être. Bien éloigné. Alors le problème étant que je ne me souviens plus exactement où est ce fameux sous-marin rouge, donc il va falloir que je le trouve. Et ça va pas être évident, hein, parce que moi sans orientation ça fait 4. Peut-être par là-bas. Y a-t-il quelque chose ici? Il me semble pas. Y a vraiment rien de rien. Non, rien de rien. Non. Ah si, il y a un truc par contre. Je vais en profiter pour aller le prendre. Hop là. On dirait une clé. Elle semble très vieille. Analyse terminée. La date d'origine exacte ne peut pas être déterminée. Estimation plusieurs milliers d'années. Tout va bien. J'ai trouvé un dinosaure. Plusieurs milliers d'années, les anciens. Voilà. On a reçu l'élément clé. Nous avons ce qui fait Sid en fait derrière. Tranquille, Sid, peinard. Donc voilà, c'est un truc qu'il aurait fallu que je récupère plus tard de toute façon. Donc bon, je me suis dit, tant qu'on y est, surtout qu'à chaque fois je mets 30 ans pour le trouver parce que je ne sais jamais où il est, autant en profiter. Donc ensuite, ici il n'y a rien, d'accord. Ça a mérité d'être clair. on peut pas aller plus haut que ça, d'accord. Ok. Oui, bah écoutez, on va passer par là. Ah, là je suis désolé, là c'est un peu l'épisode de on visite les océans. Tranquille, si jamais on croise Ariel. Ariel ça, tranquille. D'ailleurs je crois que je me fais chier pour rien parce qu'en fait ici y a rien. Et... je pense que c'est carrément de l'autre côté, il me semble. Mais c'est pas grave, profitez-en. En plus la petite musique là. Peinard. Vous entendez ça? Ouais. Et en fait ça nous fait quoi si on va là? Exactement. D'accord. Ça sert strictement à rien, quoi. Youpi!
Je réussis, l'arme ne peut pas. Alors, je crois qu'il me semble. Oui, parce que c'est une arme, je vais être précis. Il me semble qu'elle peut être là, par contre, en revanche, elle peut se stationner là. Mais elle peut pas passer sous le tunnel là où on passe. Donc, ça. Parce que j'avoue que si elle passait là, on serait vachement dans la merde, hein. Alors, donc, comme je dis, je pense que c'est carrément à l'autre bout. Et donc, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On y va. L'autre bout, du coup, c'est. Faut que je fasse gaffe parce que. Elle peut être un détour. Ah! La vue! C'est l'autre côté. Ah, j'ai vraiment du mal avec la manette sur PC, c'est assez horrible. Parce que du coup, les touches ne sont pas bien configurées. D'accord. Donc, il me semble voilà, que c'est de l'autre côté, donc que c'est par là en fait. Alors, en fait, parfois, comme je vous ai dit, l'arme. Donc, à certains moments, stationne. Parce que là, j'étais en train de réfléchir en fait. À certains moments, donc, elle stationne, c'est-à-dire qu'elle reste sur place. Donc bah dans ces cas-là ça va, c'est plus facile de l'éviter. Et donc bah il y a parfois où elle bouge comme on l'a vu en fait tout à l'heure. Ça dépend des fois. Donc là pour le moment je la vois pas. Plutôt bon signe. Ou mauvais, parce que ça veut peut-être dire qu'elle stationne. Le problème c'est que si elle stationne pile à côté du sous-marin. Enfin c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut vraiment que bah, j'évite d'aller dessus quoi. Et c'est pas super évident. Ah bah le sous-marin est juste ici. Parfait. Hop! Alors, c'est le sous-marin leader qui nous a coulé. Non, qu'on a coulé en fait. Parce que si ça nous avait coulé, on aurait eu un problème. Zut, ça me rend malade, rien que d'y penser. Megamata a récupéré. Aucun dégât. Je crois qu'il y avait un S à récupérer. Non. Il y a plusieurs. Aucun dégât ne semble avoir été subi. Ouf, ça soulage d'entendre ça. Voilà, donc comme ça au moins on aura l'élément clé Megamataria. Perfect. Alors en fait, il y a. Pas mal de trucs à visiter. Ah bah elle est juste là-bas. On la reconnaît avec ses petits mouvements d'air là-bas. Elle est mignonne. Elle est tellement mignonne. Alors, je vous rassure, normalement, on la fera. C'est prévu, mais on la fera bien plus tard, hein, quand on sera bien entraîné, quand on aura certaines choses aussi. Parce qu'en fait, là, si on essaie de se la taper, le pire, je pense, c'est le fait qu'on est limité dans le temps. Et c'est très chiant. Alors, Junon, je crois que c'est par là, il me semble. Ça se trouve, je me vois complètement sur l'autre côté. Je serais bien de l'autre côté. Hein. Ça serait bien juste ici. Et donc, oui, il y a pas mal de trucs à visiter en fait au fond de l'océan. Mais on verra ça dans un autre épisode, bien entendu. Hein, parce que là, pour l'instant, on continue l'histoire. C'est ce qu'on puisse bien s'entraîner tranquillement. C'est ce qu'on puisse débloquer pas mal de trucs. Alors, voilà. Oui, alors je re-sauvegarde parce que du coup, maintenant, je me méfie un petit peu des fails. Je préfère sauvegarder. On était ici. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, on était censé repartir à Junon. Voilà, puisque je vous rappelle qu'il fallait aller à l'aéroport. Il n'y a pas une. Ah, si. Je crois que c'est gratuit en plus. On va juste pioncer ici. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, pousse-toi, mémé, pousse-toi. Tu fais chier, mémé, hein. Franchement. Ah, il va falloir repayer le mec. C'est abusé. C'est abusé, après je deviendrai pauvre, quoi. Non, mais mec, je vais devenir pauvre à cause de toi, là. Tu fais chier, tu fais chier. Je sais même plus à combien de guilds je suis. En plus, j'ai dû en regagner en massacrant le monte-charge, là, je sais plus comment il s'appelle, le boss. Ah ouais ça, je peux même pas accéder au menu quand je suis là-dedans. Bon. Cacha. Ah bah ils font bien de dire qu'il faut faire gaffe, parce qu'en fait il y a. Ah si, il y a quand même des rebords, ok. Il y en a partout des rebords. Non, il y en a juste là, ouais, donc on peut carrément se. Ouais, c'est pas génial comme ascenseur. Hein. C'est pas génial. Alors donc on en est à. Ah, est-ce que 124 000? Ok, moi je croyais que j'avais 1 million de guilds. Ok, je me croyais déjà riche. Pas du tout, c'est pas par là, mec. La dernière fois, je me gourais juste au même endroit, j'allais de l'autre côté.
Voilà, c'est par ici. Allez, c'est parti. Et c'est type d'arme. Ah non! Ah non! Ils ont quand même des drôles de vaisseaux, hein. Je ne sais pas qui a fait le design de ce vaisseau, mais les mecs, ça craint un peu, hein. De façon vraiment de tas, c'est bon, hein. Ça va 2 secondes. Regardez, il a même fait se péter la gueule, quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il était pas là, ce soldat-là. C'est à quoi, ce truc? Ah non, la méga matéria. On peut pas aller la chercher. Où vont-ils? La fusée cité, bien sûr. Mec, il devine ça comme ça, quoi. Ah non, ça, je crois que c'est juste interrupteur, il me semble, c'est ça. C'est ça, ça a exactement le même design qu'un coffre. Ah bah, du coup, redescend. Ah, vous avoue, je crains un peu le passage de félicité, pas à cause d'un boss. Non. Ah non. Plutôt à cause d'un... Vous comprendrez. Je serais tenté à cause de la manette. Ouais. Foutue manette. Ah, vas-y, crasse tout. Allez. Allez. Salut. J'ai bien buté tes camarades, tout ça, tranquille, voilà quoi, c'était cool. Merci de m'avoir laissé passer pour des guilds. Ça valait le coup, hein. Tu as environ 9500 de tes potes pour 10 guilds, moi je trouve que ça valait le coup. C'était sympa en tout cas. Allez, c'est parti pour Fusée Cité. Comment on avance? Un père, c'est comme ça, mais je crois pas que ce soit ça, mais voilà, c'est ça. Et ça, ça sert à atterrir. Ok, excusez-moi, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que j'ai pas joué. Du coup, je me souviens plus, il touche. Alors, normalement, c'est sur l'autre continent. L'autre continent. Et c'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Wouh! Non, elle est toujours pas là. Putain, je vais péter avec elle. Alors, fusée cité. Hein. Il me semble que c'est par ici. Hein. Voilà, je suis en train de faire un vaste. Je suis en train de me perdre, mais immense quoi. C'est voilà, c'est juste là-bas en fait, tu vois, mec. Fait chier pour rien, mon gars. Mon gars. Bon, alors, excuse-moi, je re-sauvegarde. Je sais que c'est chiant. Mais je veux vraiment pas me rater. Allez, c'est parti. C'est parti pour féliciter. Salut, gars. Bah, vous regardez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la jeune prison Refus serait inutile tous ces mécaniciens? Fuck it. La Shinra est sérieuse quand elle parle de lancer cette vieille fusée, mais pourquoi maintenant? Ah oui, ça va chier. Salut mec, ça va? Il y a plein de membres de la Shinra qui tournent autour de la fusée. C'est ma fusée, d'accord? Ok, t'inquiète le vieux, je m'en charge. Je vais leur péter la gueule! C'est connard! Salut. Un spectacle. Non. Non, ils sont en train de prendre notre fusée. Il va se passer quelque chose? Oh, je suis dans tous mes états. Sérieux? Ok, allez, c'est parti. Voilà. Voilà. C'est les gars, on ne fait que passer. Les terroristes sont ici. Oh, c'est un peu dégueulasse de nous appeler terroristes. Écoutez, on a juste pété 2 réacteurs. Est-ce que ça fait nous des terroristes? On a aussi foutu un peu le bazar Amiga, mais bon. Non, je suis désolé, nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des enculés. Voilà, c'est tout. Mec, j'ai un ruban, je crois. Non. Qui a le ruban d'ailleurs? C'est lui. Non, j'ai peut-être dû le mettre à lui, ouais, justement, pour éviter. Ah, peut-être à Clab, je sais pas. Je vous nique votre race. Vous voyez ce que c'est votre race? Bah, je vous la nique. Ah, j'ai oublié de faire un truc. Ah, et puis alors, je crois que je pourrais pas le faire avant longtemps. Enfin, bon, c'est pas grave. Mais c'est pas gagné du terrain, tout ça l'attaque. J'avais reçu des trucs, il me semble, avant le sous-marin, des objets, des équipements, surtout pour Sid. Et bah, du coup, j'ai oublié de les mettre. Bon, c'est pas grave. Oh, toi! Oh là là! Changez de travail, monsieur! Vite! Et voilà! Non, mais voilà, je t'avais dit! Contre-attaque, mec! Contre-attaque! Non, alors, c'est peut-être là qu'il y a le ruban. Parce que du coup ça fait même pas rater, il me semble que oui, donc c'est lui qui doit avoir le ruban. Ok. Je
J'aurais plutôt dû le mettre au soigneur dans un premier temps, mais bon, pourquoi pas. Je rappelle que s'il est mon soigneur attitré, en tout cas pour le moment, ça ne durera peut-être pas. J'ai pensé un truc en fait sur Sid là il y a deux secondes, mais au bout d'un moment je dois changer de soigneur, je pense. Urg, vous n'allez nulle part. Nulle part. Comme la traduction. C'est marrant parce qu'en fait le chef à l'origine en skin il est rouge et les soldats sont bleus. Et c'est exactement l'inverse quand on les combat. En sachant qu'il change aussi un petit peu de skin. Pour tout chef, il n'y a plus tout la même chose. Sérieusement ? Ça aussi donne ? Non, mais justement, je laissais mourir de lui-même, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu as tout gâché. Tout. Je ne te félicite pas. Ah ouais. T'es comme ça, mec. Allez, c'est parti, petits amis. Sauf si je peux enfin changer quelque chose. Peut-être pas. Bon sang. Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils vont faire à ma fusée ? Les salopes. Je suis là, Claude. Ah bah tiens. Je vais virer ces méchants Shinra de ma fusée. Ah, ça m'arrange. Attends, tu vas pas y aller tout de suite, mon petit gars. Alors, donc c'est... Ah oui, ouais, voilà. C'est ça, je me disais bien que Cimeter, elle est géniale au niveau de l'attaque, tout ça, mais au niveau des orifices... C'est juste pas possible, donc on va... C'est dégueulasse, hein. Je dis comme ça, c'est dégueulasse, mais on va te laisser partisan. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc le réponse, c'est bien Claude qui l'a. Ok, bon. Je crois que j'ai vu que ça, il me semble. Je sais pas si je peux voir dans les éléments... Voilà. Je sais qu'on va aller plus vite. On a eu Beta Shinra aussi, d'accord, un brigade de combat. Main divine peut-être. Ok, alors, donc, voyons voir. Main divine, griffe de dragon. Main divine. Ah, ça augmente beaucoup, mais. Est-ce que je m'en sers des deux dernières? Je pense, ouais, je m'en vais, ouais. Et puis, au niveau du bracelet feu, en fait, c'est un peu pour grave. Je peux pas, pour le moment je peux pas, c'est dommage, c'est chiant, mais je ne peux pas. Et donc l'autre, c'est quoi que j'ai eu? Beta Shinra? Ouais, Beta Shinra, par contre, c'est de la grosse dôme. Alors ça. Alors ça, mon gars. Mange une frite, une fouille. Allez, Cloud, c'est long tout ça. C'est long. Non, mais honnêtement, Cloud, hein, c'est bon. Salut. Encore toi? La Shinra, il y a quiconque se mettre en travers de son chemin. Enculé! Alors, petit rude, tu vas t'en prendre plein la gueule. Moi, je. Je pense qu'en deux secondes, c'est fini. En fait, je voulais avoir fait, c'était ça. On va commencer par mettre un bon bio parce que je sais qu'il aime pas ça, il me semble. Boum! Allez, un soldat en moins. Ensuite, on va s'attaquer au soldat. Voilà, parfait. Voilà, bon, magie pour le coup, pour le moment, ça sert à rien. Ce qu'on peut toujours faire en revanche, il me semble, c'est invoquer. Deux invocations. C'est pas SEG jusqu'ici. Alors je mets pas en plus de barrière de barre magique parce que c'est un boss de merde. Je lui nique sa race. Turc. C'est un turc, hein. c'est pas une insulte. Mmh.
Vas-y mon gars. Vas-y bien. Bamut c'est bon. Vas-y Bamut c'est bon. Bon. Attends, je regarde un truc. Est-ce que tu as pris cher? Ah ouais d'accord. Ok, donc autant pour moi la barre magique ça... Ça influence quand même le... D'accord. Bon. Et ben on va rester sur l'attaque alors, c'est pas grave. Sauf que tu t'es mis une barre magique mon gars, donc ouais voilà c'est ça. Ça te sert à rien d'être guéri devant. En plus il se permet de faire deux attaques en même temps quoi, c'est fou. Eh oui, non mais c'est ça d'avoir un groupe qui tue sa race en face de soi quoi, c'est la vie mec. T'es la vie mec. Pas un petit objet quoi, dégueulasse. Ils nous ont eu. Non, là, je te marche dessus, connard. Oh, et puis il aime ça en plus. Ah oui, vas-y, marche-moi dessus. Je sais pas ce qu'il prend par contre. À toi, pourquoi es-tu ici? Rude devait s'occuper de toi. Dommage. Pour lui. Il est mort. Non, je déconne, il est pas mort. Oh, beau sang, les Turcs. Se faire avoir comme ça, mais je ne vous laisserai pas passer. En es-tu sûr? Tu vas mourir, mec. Viens, fais chier, mec. Voilà, t'es mort. Tu es une petite merde. Insignifiante. Bon, c'est là où ça va chier. C'est là où ça va chier. Erk. Attends, est-ce que ma petite amie, je vérifie juste un petit truc. Ok, bon. On va tester ça. Hein. Ça va pas être évident, mais on va tester ça. Salut les gars. Ah, puis alors là, ça va être long. Eh, qu'est-ce que tu fiches là, petit? Bon, ça, c'est les mécanotides. Hein. Je rappelle quand même. Eh, juste quand je pensais qu'il se passait quelque chose, vous êtes revenu, capitaine. Écoutez-moi, capitaine. Nous allons lancer cette fusée. Hein? De quoi parlez-vous? Nous allons charger une bombe matérielle là-dedans et faire sauter le météore. Notre fusée va sauver la planète. Ouais. Ok, ouais. C'est vraiment super. Je commence à avoir la bottine. Non, c'est pas lui qui parlait. Attends une minute. La ferme! La ferme à la fin! Oh, je l'ai bien faite. Dans quel état la fusée? Ça a l'air d'aller. Mais... Nous avons prévu de lui faire percuter le météore en pilotage automatique. Mais le dispositif le plus important est cassé. Cassé? Comment se passe la réparation? Shira s'en occupe. Ils ont l'air désespérés les mecs. Enfin, Shira s'en occupe. On lui a des trucs à faire, mais elle est tellement nulle. Voilà, c'est ça. Oh, formidable. Quelle bande de guignols vous êtes. Il va lui falloir 100 ans. Écoute, j'y vais. On ne t'occupe pas du pilote automatique. Et vas-y, dis-le à tout le monde. D'accord, capitaine. Bonne chance. Hey, Sid, que fais-tu? Il y a des générations. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Il y a des générations de connaissances et de sagesse à l'intérieur de la matière. Nous allons emprunter leur pouvoir et sauver la planète de Sephiroth. Oui, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas. Non, excuse-moi. Mettez une putain de traduction de parler de merde. Il n'est pas question de perdre la méga matière. Tu comprends ça, non? Ah oh, putain. Cette musique. Cette musique, les petits amis, me met des frissons. Elle me fait bander. Non, mais autant être honnête, elle me fait bander. Non mais j'avoue j'adore cette musique, putain, elle est juste parfaite quoi. Ouais, je comprends. Je sais que la matière est précieuse et je te comprends. Mais écoute, j'en ai rien à cirer. Je te comprends mais j'en ai rien à foutre mec. Si c'est de la science ou un pouvoir magique. Non, je crois que si j'avais le choix, je préférais miser sur le pouvoir de la science. Les humains qui voyageaient au sol sont maintenant capables de voler. Et pour finir... Nous allons partir dans l'espace intersidéral. Je peux dire l'espace, hein, ça suffit. La science est un pouvoir créé et développé par l'homme. C'est peut-être elle qui va sauver cette planète. Ouais, je m'embrouille un peu. J'ai réussi à gagner ma vie grâce à la science. Alors pour moi, il n'y a rien de plus beau. Maintenant, arrête de te préoccuper de ce que Shira va faire. Là, Shira, excusez-moi. Je ne veux pas regretter mes actes le restant de ma vie.
Mais Sid, la ferme! Je ne veux rien entendre. Bonjour. Bon, c'est un travail. Que tous ceux qui n'ont rien à faire de la... Là... Dégage. Pas que je pars trop longtemps avec lui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour les enfants! Bonjour les enfants! Comment allez-vous les enfants? C'est bon. Palmer, qu'est-ce que t'as fichu? Ils ont dit qu'ils avaient fini de réparer le pilotage automatique, alors je l'ai lancé! C'est pas Palmer, j'ai toujours vu comme une espèce de clown. Bonsoir Shira, pourquoi t'as choisi aujourd'hui pour être rapide? Oh là, Zuma avait parlé avec sa voix et en plus, avec une traduction de merde, c'est compliqué quoi. Zut, rien à faire, c'est complètement verrouillé. C'est presque le décollage, enfant! Excuse-moi. Quoi? Pas de compte à rebours? Comment c'est possible? Casse-toi. Ok, mec, tu vas sérieux au bout d'un moment. Donc oui, j'ai pas parlé, hein, c'était une cinématique. J'essaie de ne pas parler pour une cinématique, même si on n'a pas beaucoup dans ce FF là. J'ai finalement atteint l'espace intersidéral. Voyons, quelle est la trajectoire? Je crois qu'il en dit droit sur Météor, hein. Y'a pas de secret. Gloops. On va entrer en collision avec le Météor. On ne peut rien faire, si ça continue, on va crever, oui, on va crever. Non mais ça sert à rien de taper sur les machines pour les faire marcher. Oh le merde, fonctionner parce qu'elles ne marchent pas, elles fonctionnent. Cette année, Palmer a perdu la tête pour verrouiller le pilotage automatique. On a... bordel de merde. On n'arrivera peut-être pas à modifier la trajectoire. C'est la fin. This is the end of our story today. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Tu es pourtant jeune et tu renonces si facilement? On a le temps au moins de faire un Scrabble, bordel. Je n'ai pas m'écraser contre le météore. Regarde. Je garde une assiette de secours sur la fusée pour les urgences comme celle-ci. J'ai décrypté le code de verrouillage de la nacelle de secours. Nous serons tirés d'affaire avant de nous écraser sur le météore. Hé hey, et la méga matéria? Ah ouais, non, bah, toi t'es une femme, dès que ça brille, faut aller le prendre. Excusez-moi, c'était très... Je m'excuse, vraiment. J'ai faim, j'ai la dalle. Si tu veux la matéria, à ton aise. La matéria devrait être là lorsque tu auras escaladé cette échelle. T'es sûr? Pas du tout. Je sais pas, mais en plus c'est ça. Je sais pas. Je sais ce que j'ai dit il y a une minute. Mon dieu. Ça y est, tu commences à raser, merci. C'est chaud. Mais peut-être que tout ce que je voulais vraiment, c'était partir dans l'espace intersidéral. Espace. Alors pourquoi ne faites-vous pas tout ce que vous jugez bon de faire? Bordel de merde. C'est cette échelle-là, oui, c'est ça. Je crois qu'on peut se casser sans même prendre la méga matérielle, d'ailleurs, il me semble. J'ai fini par trouver la méga matérielle. Apparemment, on peut désactiver le code de... Oh, wow. Oh yeah. Le verrou de sécurité en entrant le code d'accès à partir de ce panneau de commande. Bah, excusez-moi, je vais peut-être me concentrer donc pas parler parce que c'est le moment que je redoute. Essayez de l'utiliser, oui. Essayez. Entre le code d'accès. Hey Cloud, tu sais l'utiliser, non? Chaque fois que tu lis entre le code d'accès, appuie sur OK, annuler, menu ou changer. Tu tapes le bon code, ça se déverrouille et tu peux prendre la méga matéria. Alors dans quel ordre dois-je entrer le code d'accès? Je ne sais pas, essaye de taper le code au hasard.
m'en doutais. Donc ça doit être l'inverse. C'est parti. On dirait que t'as pas trouvé le code. Si nous n'entrons pas le bon code d'accès à mon activation des systèmes de protection, nous ne pourrons pas récupérer la matéria. Alors du coup, ça devrait être ça, ça, ça et ça. Voilà. En fait, il y avait une touche dont sur laquelle j'avais un gros doute et du coup, bah voilà, c'est dommage. Code d'accès confirmé, identifié comme utilisateur autorisé, déverrouillé. Dommage parce que si on réussissait du premier coup, ils nous auraient traité de tricheurs. Très bien, Cloud, c'est déverrouillé. Ouf, grâce à moi, on est sauvé. Non, pas du tout, tu m'as même pas aidé pour le code, connard. Donc... Hop là, et c'est parti. Oula, chante faux, hein, vous avez vu? Hein, vous avez vu? Hein, pas entendu plutôt. Zut, ma jambe est prise dans les débris. Sid! Je ne peux pas, c'est si lourd, je ne peux pas le soulever. T'inquiète pas pour moi. Dépêche-toi et monte. Si tu ne te dépêches pas, la fusée va s'écraser sur le météore. Je ne peux pas partir sans mes amis. C'est tellement mignon. Espèce de... connard. Pas le temps de s'occuper des autres. Je vais faire de mon mieux. Tu es vraiment bête, espèce de connard, merde. Le réservoir numéro 8 a explosé. Ainsi, il fonctionnait vraiment mal. Shira, tu avais raison. Mais... c'est la fin pour moi. Ne dis pas ça, Sid. Ah non, bah j'aimais bien la musique, hein. Remettez-la, vite. Hein, Shira? J'ai suivi, je viens vous aider. J'ai suivi. Espèce de... Excuse-moi, j'ai pas imagination pour ça. Désolé. Pour une fois qu'il s'excuse. Essaye de se courir par là, dépêche-toi. Wouhou! Allons-y! Mickey! C'est parti! Dépêche-toi, je vais détacher la nacelle de secours. Hé, Shira, est-ce que cette nacelle fonctionne vraiment? Ça va aller, je vais vérifier personnellement. Ok. On peut s'y fier. Merci. Ah, merci. Ça me touche vraiment. Alors, c'est ça l'espace intersidéral? Ah, alors c'est pas moi qui appuie, hein, je précise. Bon sang, c'est vrai, je suis vraiment dans l'espace intersidéral. Là, c'est moi en revanche. C'est beau les étoiles, je sais pas. Au revoir, je suis dans la numéro 26. Mets pas une petite musique?
je parlais pas puisque c'était ciné. Eh bien, c'est joyeux. Donc, du coup, leur coup sur le météor n'a pas fonctionné. Au contraire, ça l'a même rendu un peu plus destructeur. Bon, en même temps, on a retiré la Megamata, donc qui sait si on l'avait peut-être laissé. Eh oui, c'est pas dit. Putain, j'ai des fourrures en pied. C'est fou. Rufus et les autres pensent que nous allons échouer. Un vrai fiasco. J'espérais tout de même que ça allait marcher. Oui, mais encore une fois, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer ce passage-là. Mais on a retiré la Megamateria, donc ça aurait peut-être marché si on avait laissé la Megamateria. On a fait que les embêter jusqu'à maintenant. Pourtant, il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être que nous nous sommes trompés. Ça t'inquiète, pas vrai? Il ne faut pas s'inquiéter, il faut penser. Dites, cette fille a raison. Bah, cette fille, tu la connais, elle s'appelle Tifa, elle a un prénom, bordel de merde. Arrête de t'inquiéter, tout s'effondre et la situation ne fait qu'empirer. Ça, j'adore cette phrase, quoi. Arrête de t'inquiéter, ça va pas si mal. Écoute, toute ta famille est morte juste devant tes yeux, mais tout va bien, t'inquiète, zen. Tu fais vraiment preuve d'optimisme, tu as quelque chose en tête? Non. Il m'arrive de penser de temps en temps. Ah, c'est vrai. Je n'ai fait que penser depuis que nous sommes ici à regarder la planète. Je réfléchissais même lorsque nous étions dans la selle sur l'océan. Sur l'océan. Moi aussi j'ai réfléchi. Sur l'univers, la planète, l'océan. Ok. L'herbe. Non, parce qu'on va un truc de plus en plus petit. Comme tout est grand et immense, peu importe où je vais et ce que je fais, ça ne change rien. Tu as peut-être raison. Mais j'ai une autre opinion. J'ai toujours pensé que cette planète était immense. Oui, non, mais c'est le cas. Mais si je la regarde en haut, je me rends compte qu'elle est petite. Oh, putain. Ça devient compliqué. T'arrêtes de parler, Sid. Nous flottons dans l'obscurité. C'est une impression d'impuissance. En plus, Sephiroth l'habite et l'a maudit. Donc, je veux que cette planète est comme un enfant. Un enfant fragile qui tremble au milieu de l'immense univers. C'est beau ce qu'il dit par contre. Hein. Quelqu'un doit protéger cet enfant, cette planète. Tu comprends? Ceux qui doivent la protéger, c'est nous. Sid, c'est tellement beau ce que tu dis. Hey Sid, je crois que je suis ému. Ouais, trop mal. Mais maintenant, comment allons-nous protéger la planète du de la malaise du météore? Faut que j'y réfléchisse encore. Oh la chute de merde. Ouais. Hein? Hein? Excellent. Excellent. Ah, j'ai du mal à le faire, Rustan. Vous avez entendu quelque chose? Eh hey, les amis. Ok. Le cri de la planète ou bien le météore? Vous croyez que ça venait de cette planète? Comment pouvons-nous être sûrs qu'il s'agit du cri de la planète? C'est peut-être juste un monstre. Tu as oublié? Bugenhagen, il l'a dit. Bugenhagen. Bugenhagen. Alors, va grand-père. Allô, Cosmo. Ouais. On va sûrement dire quelque chose pour vous aider. Pourquoi je fais cette fois? Je sais pas. Alors, faut juste que je vérifie un petit truc. Niveau super HP, moi, surtout. D'accord, c'en est qu'à deux. Okay. Bon. Bon, les amis.